Salut, salut, salut à tous. Ici le coach Loss, une fois de plus pour vous servir, vous donner les actualités de la crypto-monnaie. En tout cas, tout ce qui tourne dans l'aspect cryptographique, vous avez toujours l'actualité ici sur cette chaîne LL Crypto Invest. Donc, soyez toujours connectés, abonnez-vous à la chaîne des notifications de sorte que vous ayez toujours les choses à temps réel dès qu'il y a une vidéo qui est lancée. Vous avez la notification directement sur votre mail ou bien directement sur l'appli YouTube. Voilà, abonnez-vous et puis partagez massivement les vidéos. Partagez massivement les vidéos. La communauté doit grandir, la communauté doit grandir. Partagez massivement, c'est ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne à grandir davantage, à avoir plus d'abonnés. On veut rapidement atteindre les 1000 abonnés avant. Le mois de décembre, donc rapidement aidez-nous à atteindre cet objectif là. Ok, ce matin là nous allons parler de Elon Musk, nous allons parler de Shiba, nous allons parler de Certic. Voilà un peu de quoi nous allons parler ce matin. Elon Musk, si vous ne le connaissez pas, c'est le créateur de la voiture électrique Tesla. Il est coté en bourse. Voilà, Elon Musk s'est donné comme habitude de jouer avec les crypto-monnaies. Et il a fait cela avec le Dogecoin, il a fait aussi avec le Bitcoin pendant un certain temps. Après, il est venu payer du Bitcoin. C'est-à-dire quoi? Il a une technique d'approche. Il joue avec les prix du marché. Et ce qui est bizarre, c'est que la plupart du temps, les gens suivent ses tweets. Il a 60 millions d'abonnés sur son Twitter. Vous comprenez? C'est comme un pays. Il a 60 millions d'abonnés. C'est comme lui seul là. Son compte Twitter là représente un pays. Donc vous voyez que c'est un influenceur. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Il a tweeté sur le Shiba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mon prochain chien Shiba s'appellera Floki. Voilà ce qu'il a tweeté en anglais. Et donc, du coup, dès qu'il a fait ça, hier, le prix du Shiba est monté de 25%. Quelques heures après, le prix a chuté pour revenir à la normale. Et les gens de la communauté, les fans de Shiba, ont commencé à parler qu'il n'a qu'à arrêter de se mettre sur le Shiba pour faire les tweets. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la même chose avec le Dogecoin. Chaque fois, il venait faire des tweets, il tweet. Le Dogecoin montait. Et puis, une fois, il allait s'asseoir sur une chaîne de télé américaine là-bas pour dire que le Dogecoin, c'est une arnaque. Et donc, le coût du Dogecoin a chuté. Donc, comme les gens, la communauté Dogecoin est très forte. Hein? C'est des millions de personnes. Hein? Donc, la communauté a compris qu'il joue avec les prix du Dogecoin. Donc, maintenant, quand il fait un tweet sur le Dogecoin, ça n'a aucune influence sur le prix. Hein. Le prix, ça n'a aucune influence. Donc, du coup, aujourd'hui, il s'est mis maintenant dans la dent maintenant le Shiba. Donc, voilà pourquoi il est venu commencer par un tweet sur le Shiba pour faire monter le prix. Il veut tester le Shiba. Mais moi, je vous dis ici, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. On appelle ça diviser pour mieux régner. C'est des gens, ils viennent de lui mettre de l'argent, ils payent du Shiba par exemple, ils peuvent payer du Shiba ou du Dogecoin. Et puis il est là, quand il vient faire le tweet dessus, il sait que le prix va monter. Et quand le prix monte, il va venir vendre des millions, des dizaines de millions, il prend, il s'en va. C'est comme il vient faire son petit marché sur vous quoi. Donc ne le suivez pas. Voilà, vous êtes des holders, c'est ce que je vous dis toujours ici sur cette chaîne. Vous êtes des holders, vous êtes des profiteurs sur le marché. Si vous êtes des holders, il n'a qu'à faire tous ces conneries qu'il veut là. Toi tu as ton objectif, je vends mes Shiba à 0,01. Je vends mes Shiba à 0,05. Je vends mes Shiba à 0,1. Je vends mes Shiba à 1$. Toi, tu as ton objectif dans ta tête. S'il veut, il n'a qu'à faire toutes sortes de conneries qu'il veut. On s'en fout de lui. Lui, il a déjà ses milliards. Il n'a qu'à prendre ça, faire ce qu'il veut. Tu vois, les gens sont méchants. Ils ne veulent pas que tout le monde ait l'argent. Donc, il faut diviser pour mieux régner. Donc, il a fini de mélanger les gens du Dogecoin. Il a même essayé de mélanger le Bitcoin. Mais comme le Bitcoin est très solide, le Bitcoin est très solide, donc du coup il peut faire tout ce qu'il veut là-bas, mais le marché reprend toutes ses habitudes et puis il avance. Le Bitcoin c'est un cycle. Maintenant s'il est sur le Shiba, moi je préviens en tout cas la communauté d'ici, en tout cas partagez la vidéo, dites aux gens ne réagissez même pas à ces tweets.
Parce que s'il a envie de faire son petit marché, il vient, il finit de mettre ses dizaines de millions de dollars là-dedans, il paye à un prix très très bas là-bas, et puis il vient faire un tweet, quand ça monte, il vient vendre. Donc il joue avec vous. Il joue avec vous. Voilà, votre petit argent, vous partez le sub dedans, là, c'est pour perdre tout. Donc, je vous informe de ne pas suivre ce monsieur-là. Voilà, il est milliardaire, c'est pour lui seul et puis c'est sa famille. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on cherche pour nous ici. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne, voilà, ce monsieur-là, qui, ce milliardaire mégalomane-là qui aime jouer avec, comment on peut dire, la vie des gens. Parce que c'est l'épargne des gens, tu ne peux pas venir t'amuser, ça t'a déjà pour toi. Laisse les gens vont faire les holdings tranquillement pour aller. Tu finis avec d'autres quand tu viens, tu mets encore Shishiba. Quand il va finir Shishiba, il va aller se mettre Safe Moon. C'est pas bon. Voilà. Donc, on va pas s'attarder sur la négativité. Il y a une note positive que je vais vous dire. Vous savez, je vous ai parlé hier du protocole ERC20 et BEP20. Voilà un enfant de 13 ans qui a créé son protocole lui-même. Un enfant de 13 ans vient de créer son protocole lui-même. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle cet enfant-là? Laissez-moi regarder le nom ici. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Cet enfant-là, il est vraiment prodigieux. Il s'appelle Gash. Gash a créé son protocole comment? C'est-à-dire le créateur de Polygon. Il est rentré en contact avec le créateur de Polygon. Polygon Matic, vous le connaissez, il doit être à 1$ et quelques actuellement. Donc Polygon Matic, il est rentré en contact avec le vice-président qu'on appelle Arjun Kalsi. Il est rentré en contact avec ce dernier-là en lui envoyant un message sur son LinkedIn, lui disant que bon, il a créé lui-même son appli DeFi. Mais il a besoin de conseils. Bon, il a tellement harcelé ce monsieur-là que le monsieur a fini par se dire, mais qui est cet arnaqueur-là? Qui est cet escroc qui est en train de m'emmerder? Le petit dit, non, je suis un enfant de 13 ans. J'ai besoin simplement de conseils pour créer ma plateforme DeFi. Il dit, comment un enfant de 13 ans? Il dit, bon, allons sur Zoom, tu vas me voir. Donc, il allait faire Zoom avec le petit. Il a vu le petit en live. Et le petit a commencé à lui expliquer son protocole, voilà où il est rentré, voilà où il est sorti, voilà où il en est, il a besoin de conseils. Il dit, tu as 13 ans, tu as pu faire ça. Il dit, oui, c'est moi qui ai fait ça à 13 ans. Voilà, donc j'ai besoin de conseils. Il dit, mais comment tu as fait? En vérité, le petit, il s'est inspiré de Binance Smart Chain. Il a pris une partie du protocole de Binance Smart Chain. Il a pris une partie du protocole DeFi de Gauze Finance. Il a pris une partie du protocole de SushiSwap. C'est-à-dire trois protocoles, il a pris ça pour créer un hybride. Vous savez ce qu'on appelle un hybride? Voilà. Il a pris trois protocoles différents, modifié trois protocoles différents pour créer lui son DeFi. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est-à-dire un protocole que lui crée à partir de d'autres protocoles existants, mais il les a modifiés, il les a assemblés. À 13 ans, comme je l'ai dit, il les a modifiés, il les a assemblés pour créer lui-même une DeFi. Une DeFi, c'est une plateforme décentralisée. Donc, du coup, quand le petit il a expliqué ça, le gars Arjun était vraiment, vraiment, vraiment stupéfait de son intelligence. Il a dit, bon, quelle est la suite? Il dit, ah, il veut chercher à faire certaines modifications, il a besoin de conseils. Donc, il a aidé. Donc aujourd'hui où je vous parle, il a créé cette DeFi-là. Le petit Gash a créé sa DeFi, qu'on appelle Appli PolyGash. Appli PolyGash, il a créé ça à partir de Polygon, le vice-président de développement du Polygon, qui est Arjun. Arjun l'a aidé. Donc il a créé son appli aujourd'hui et son appli fonctionne. Actuellement, dans sa poule de liquidité, il a au moins 1 million de dollars. Dans sa poule de liquidité, il a au moins 1 million de dollars dans sa poule de liquidité et son compte fort. Et donc, les gens viennent payer sa pièce Gash. Ils viennent payer ça pour pouvoir faire le staking et tout ce qu'on fait sur la DeFi. C'est extraordinaire, un enfant de 13 ans qui arrive à faire ça. Donc, ça a suscité beaucoup de curiosité. On voit qu'il y a un autre gars
Chris Black, fondateur de DeFi Wash, qui veut chercher aussi à s'emparer. Vous voyez, les gens aussi sont des opportunistes. Hein. Le petit a créé son truc tranquille. Lui, il veut chercher à venir s'emparer du projet. Donc, mais comme le petit est bien encadré par Arjun, qui n'est pas n'importe qui aussi, donc Arjun Kalsi est aussi en train de coacher le petit. Il est en train de lui faire un bon coaching pour qu'il puisse gérer son truc tranquille sans que quelqu'un puisse intervenir. Parce que les requins, ils sont partout. Les requins, ils sont partout. Et donc, on le soutient. Nous, on va aller encore faire plus de recherches, même travailler, même sur sa DeFi là-bas, faire des gains là-bas aussi. Voilà, pour soutenir son projet. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout est possible quand vous vous formez. Le petit ne s'est pas levé un matin pour aller créer ça. Il s'est formé. Et ce qu'il a appris là, il a essayé de mettre ça en application. C'est la même chose que je vous dis tous les jours. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Quand tu maîtrises, tu es totalement indépendant. Ça, vraiment, c'est des choses, c'est non négociable. La formation là, c'est non négociable. Vous devez vous former. C'est impératif pour vous, en tout cas, si vous voulez vous en sortir. Pour avoir en tout cas votre indépendance, il vous faut votre, la formation. Donc vraiment, c'est un exemple de taille. Voilà des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle un ERC-20, qui ne savent pas ce qu'on appelle un BEP-20. Et un enfant de 13 ans, non seulement il sait ce que c'est, mais il va en profondeur pour créer pour lui-même en fait. Voilà de quoi on est en train de parler. Donc si cet enfant de 13 ans s'est formé qu'il est arrivé à ce résultat-là, toi qui as 30 ans, toi qui as 20 ans, tu fais quoi? Tu ne veux pas te former pour avoir au moins les basiques? Tu ne veux pas te former? Tu veux rester là toujours aller regarder les vidéos YouTube et puis quelques bribes d'informations qu'on te donne là-bas, tu penses que tu as la connaissance acquise. Mon frère, on ne te donnera jamais tout sur une chaîne YouTube. On te donnera jamais tout sur une chaîne YouTube. Tu auras toujours des informations, c'est vrai. Mais la quasi-totale des vraies informations, c'est en formation que tu vas les acquérir. Donc si tu te bases sur les quelques vidéos que tu as, tu te crois un expert, tu te tires le doigt, tu te tires une balle dans le pied. Parce que là, c'est très très dangereux. Tu vas faire des erreurs monumentales avant de te rendre compte. Bon, venez vous former. Je mets toujours les liens en description de la vidéo. Les liens de formation, voilà, je venais vous former. Et bientôt, comme je l'ai dit, on organise une formation au Burkina Faso avec le leader Dieudonné, Jean Dieudonné, qui nous a invités au Burkina Faso, à Ouaga précisément, pour pouvoir faire ce séminaire de formation-là. Donc, je vais mettre aussi les liens en description. Je vais vous donner aussi ces informations dès que je finis la news finale sur le Shiba. Je reviens sur la formation au Burkina. Voilà. Et la dernière news, c'est comment on appelle Shiba, qui a été certifié. Shiba qui a été certifié par Certic, qui est une plateforme où on va dire c'est une entreprise qui regroupe des anciens hackers. Des systèmes, et c'est les anciens hackers de systèmes. Donc du coup, eux, quand vous les appelez, ils viennent pour vérifier les failles de votre système. Ils cherchent à hacker le système. Avec votre consentement, vous avez payé de l'argent même pour qu'ils viennent le faire. Ils viennent essayer de hacker votre système. S'ils n'arrivent pas à le faire, donc ils vont certifier que votre site est sécurisé. Donc, le site de swap de Shiba Swap qui va sortir a été déjà certifié par Certic pour vous montrer que c'est un site qui est fiable. Vous pouvez déposer votre argent dans le pool de liquidité tranquille. Vous pouvez faire vos swaps tranquille là-bas. Et je vous dis que c'est tellement important de faire ce genre de certification. Pourquoi? C'est pas si vous connaissez la plateforme DeFi qu'on appelle PancakeBunny. PancakeBunny, il y a 2 mois de cela, s'est fait hacker. C'est une DeFi, hein? Une plateforme décentralisée qui s'est fait hacker et les gens ont récupéré 60 millions de dollars. Les gens ont récupéré 60 millions de dollars sur PancakeBunny. Moi-même, j'avais mon argent là-bas. Mais Dieu merci, je n'ai pas été impacté par ça. Au contraire, quand le hacking est fini, comme c'est une plateforme assez solide aussi, ils ont remboursé tous ceux qui ont perdu de l'argent. Parce que c'était une mise à jour qui avait été mal faite dans le système. Et donc, les gens ont infiltré. Les hackers, ils sont calés et ils attendent toujours la faille. Donc, ils ont profité de cette faille-là pour soutirer des bonis là-bas d'une valeur de 60 millions de dollars. Moi, comme je n'avais pas investi dans le boni, donc je n'ai pas été impacté. Mais la plateforme était devenue bizarre. On ne pouvait rien faire. Tout était bizarre. Mais ils ont dédommagé
en tout cas, tous ceux qui étaient sur cette DeFi-là ont eu des dédommagements en paie bonus qu'ils ont créés. Voilà, donc du coup, bon, tout ça, c'est pour montrer que c'est bon quand une plateforme est là, quand elle est certifiée là, c'est très, très, très important parce que ça sécurise un peu votre acquis et l'acquis aussi de la plateforme. Puisque la plateforme évolue, vous aussi, vous évoluez avec la plateforme. Voilà. Donc ça, c'était la dernière news sur tout ce qui concerne la DeFi et le petit Gaëch qui a frappé fort, qui a créé sa DeFi, son protocole DeFi lui seul, sans l'aide de quelqu'un, et finalement qui a fait sortir son appli DeFi. C'est positif, quoi. Voilà, donc formez-vous. Et pour revenir au séminaire du Burkina, voilà, je vais vous donner le contact. Jean Dieu Donné, il est au plus 226 74 63 63. Je reviens encore dessus. Plus 226, ça c'est son WhatsApp. Hein. Plus 226 66 74 63 63. Maintenant, un autre numéro, deux autres numéros. Plus 226 70 34 70 34 61 04. Plus 226 70 34 61 04. Encore plus 226 78 81 00 31. 78 81 00 31. Voilà. Donc voilà l'information sur la formation. Je me ferai fort vraiment de donner le meilleur de moi au cours de cette formation-là. En tout cas, à tous ceux de Ouaga qui seront présents, et même ceux qui sont à Bobo, vous pouvez faire le déplacement pour venir à Ouaga, venir prendre votre formation. Voilà, mais entrez en contact avec le leader Jean Dieu Donné, il vous donnera toutes les informations concernant la formation. Voilà, en tout cas, c'est des modules bien choisis qui vous permettent en quelques jours de devenir un expert en crypto-monnaie. Je dis bien en quelques jours, vous sortez de là avec un diplôme, et ce diplôme-là, vous l'avez vraiment mérité parce que vous pourrez expliquer c'est quoi une DeFi, vous pourrez faire du swap vous-même, vous pourrez faire l'analyse, l'analyse de marché, que ce soit technique, fondamental, tout ça, vous allez pouvoir le faire vous-même. Et ça, ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir le faire. Donc, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Et en plus de ça, n'oubliez pas, en bonus, je vais vous donner au moins 10 à 15 crypto-monnaies comme nous avons déjà utilisé, nous avons déjà fait les tests, et c'est des crypto-monnaies à fort potentiel, voilà, qui peut vous donner beaucoup d'argent. Voilà, c'était le coach Loss pour vous servir, et soyez toujours dans la gratitude. La chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. L'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Restez dans la gratitude. Bonjour chez vous.